Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V, et non le online, parce qu'on va faire sur GTA V basique. Attendez, droite, gauche, boum. Alors voilà, maintenant j'ai fait ça, je redonne la manette à mon neveu, donc ce gameplay sera fait par mon neveu, il va jouer. Et vu qu'il adore les bus, il va vous faire un petit gameplay spécial avec le bus. Il va essayer de respecter le code de la route, donc vas-y, tu peux commencer. Là, il a la pression, parce qu'à chaque fois, il me dit, ouais, moi, le bus, je conduis super bien. Hein, vous me direz si vous voulez le voir plus souvent durant les vidéos. Hein, moi, ce qui m'intéressait, en fait, de faire avec lui, ça serait, pourquoi pas, des vidéos sur GTA Online, où il sera en train de jouer. Et moi, comme ça, je pourrais le critiquer, comme ça, on n'aura pas à dire, à côté, t'es nul. Voilà, là, ce sera lui qui est nul, hein. Et puis voilà, pourquoi pas le online pour l'instant, parce que c'est ce que j'ai remarqué moi personnellement, c'est quand on joue au solo, il y a beaucoup plus de choses, c'est plus dynamique, il y a plus de trafic, etc. Donc voilà. Et le but, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il réussisse à respecter le code de la route, du moins il va essayer, hein. Ce sera à vous de juger s'il a respecté ou non. Bien sûr, moi j'en ferai une aussi très prochainement, et puis voilà. Alors, parlons peu, parlons bref, parlons bien. Je vais vous parler du crew. Voilà, c'est une petite vidéo où je vais vous parler de pas mal de choses. Et là, je vais vous parler du crew et de d'autres petites choses. Alors, avant toute chose, je vais reprendre les lives. Pour ceux qui veulent savoir, en fait, j'avais un Twitch qui s'appelait Nasserou. Voilà, oui, c'était bien ça. Malheureusement, mon compte a été banni. Pourquoi ? J'espère que je vous explique très simplement. C'est juste parce que, en fait, on était le 27 juin, le jour de la sortie de Sniper Elite 3. Sur PS4, et en fait j'ai fait un live à 4h du matin du jeu, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait respecter l'embargo, mais par rapport à l'heure américaine. Eux, ils s'en foutent qu'il soit à 4h du matin en France, du coup ils ont banni le compte. Je les ai contactés, j'ai pas eu de réponse. Je sais pas ce qu'il fait le mec devant. Non, normalement quand tu doubles, tu fais clignotant à droite, tu dois le dire. Non, hey, tu dois le dire, tu le dis, voilà, tu dis clignotant à droite. Et faut le dire avant de tourner, s'il te plaît, merci. Ah bah ouais, bravo. Non, mais j'ai rien dit. Mon compte a été banni et je vais ouvrir un nouveau compte Twitch pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. C'est pour faire des lives, en fait. Je vais faire des lives de pas mal de jeux. Ça pourrait être du GTA, ça pourrait être plein d'autres jeux. Par exemple, quand des fois je fais des vidéos découvertes d'un certain jeu et que je ne veux pas le faire en let's play, bah je le ferai en live, hein. Comme j'ai fait pour Sniper Elite 3, même si j'avais été banni. J'avais continué le jeu, on l'avait fini ensemble en live. Donc voilà, généralement je ferai des lives plutôt le soir. Pourquoi le soir? C'est juste que la journée ma connexion est occupée par ma mère, en fait, à mettre la télévision, etc. Du coup ça me permet pas de faire des lives, hein. Voilà, c'est con mais c'est comme ça. Mais en gros voilà, comme ça vous me direz les jeux que vous voulez voir en live. Et vu que c'est les vacances pour certains, hein, bah, autant s'amuser et se faire plaisir à faire ça. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou non. Et si vous vous en foutez, bah dites-le aussi, hein, y a pas de problème. Mais si vous vous en foutez, bah tant pis, on se retrouvera pas en live. Voilà, ce sera dans la description le lien, comme tous les liens dont je vais parler durant cette vidéo. Hein. Alors parlons du crew. Eh bien, c'est vrai que vous êtes assez nombreux à m'en parler. Hein. Vous voulez qu'il y ait un tri. Ça, je sais bien. Vous êtes même beaucoup, parce que c'est vrai que bah, ça fait peut-être, disons 6 mois que j'ai pas fait un gros tri. Et il y en aura un cette semaine. Moi personnellement, hein, sans être je vous invite vraiment à me suivre sur Twitter et Facebook. Putain, mais pourquoi tu cours toi? On dirait toi quand tu vas attraper ton bus. donc oui, il y aura un tri. Je sais pas quel jour, donc moi franchement je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, parce que c'est sur les deux que je balancerai en même temps que le tri sera fait. Ne me demandez pas quel jour ce sera fait, je ne sais pas du tout, parce que si je dis que ce sera fait mercredi, bah, tout le monde sera devant son PC mercredi en disant Cotier, dépêche-toi pour le tri. Non, je le ferai quand je veux déjà, parce que maintenant faut comprendre une chose, c'est que c'est moi qui décide. Hein, c'est voilà, y a plein de personnes qui mettent la pression et non, ça se passe pas comme ça. Je ferai à peu près, je vais essayer de faire 200 places sur les deux crews, hein, donc 400 en tout. C'est sûr que tout le monde ne pourra pas y rentrer, mais dorénavant je vais faire un peu plus de tri, donc vous inquiétez pas. Il y a des personnes qui ont attendu 6 mois pour être dans le crew, donc vous inquiétez pas. Je vais en majeure partie. Enlever les personnes du crew qui ne sont plus actives sur le crew, c'est-à-dire je m'explique. Par exemple, qu'une personne ait 4 crews dans son truc, mais qui soit actif au moment où je vais vérifier sur, je sais pas, sur le crew de Bistou. Eh, clignotant, on a dit quoi? Merci. Par exemple, je sais pas, il est sur mon crew, hein, et il est sur 3 autres crews, mais dont il est plus actif sur les autres, et eh bien bah, je l'enlèverai du crew. Je préfère laisser des personnes vraiment motivées qui marcelle tous les jours en commentaire, etc.,
et qui ont envie de jouer avec des personnes du crew, parce que le but en même temps c'est ça. Être dans un crew, c'est pas seulement être avec moi et faire des vidéos, voilà, être content, dire tiens j'ai vu cette vidéo, tu es pas mal, ils sont là pour ça en même temps, c'est je comprends, ok, toi tu fais tout tomber, c'est pas grave, mais pensez aussi à faire des activités, hein, des affrontements, des courses, ou même de discuter en mode libre avec des abonnés, hein, donc à droite, toi t'es comme le mec de Secret Story, tu sais pas ta droite de ta gauche, oui donc, voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Voilà, il y aura. Je sais même pas si t'as le droit de passer, mais pourquoi pas. Ouais, attention, il y a les flics, hein. Vous voyez comme ils sont garés ? Comme dans la vraie vie. C'est la première fois que je le vois, lui. Donc voilà, ce sera fait. Vous inquiétez pas. Pour les gens qui seront là dans le nouveau, dans le nouveau tri, bah, je vous dirai bienvenue en avance. Pour ceux qui arriveront pas, vous inquiétez pas, il y aura d'autres tris. Ne soyez pas tristes, parce qu'à chaque fois que je fais un tri, c'est sûr qu'il y a plus de malheureux que d'heureux. Hein, c'est pas de ma faute, voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, je pense avoir tout dit sur le coup. Après, il peut y avoir aussi des dommages collatéraux. Hein, voilà, je peux enlever des personnes du coup qui n'ont rien fait. Hein. C'est après, il faut juste choisir des gens. Des fois, je suis un petit peu au hasard. Hein, je vois cette personne, je suis ah bah tiens, cette personne-là, je me souviens pas avoir joué avec lui, ou cette personne ah elle était pas très cool. Donc j'enlève. C'est pas contre vous, mais c'est juste, voilà, il y a des personnes qui sont dans le crew depuis le mois d'octobre, hein. C'est juste, on va dire, bien de laisser aussi d'autres personnes jouer, hein. Surtout qu'il y a des personnes qui ont plus touché au jeu depuis le mois d'octobre, donc voilà. S'il y a des personnes qui sont plus dans le crew, bah, excusez-moi, hein, c'est pas contre vous, vraiment. Vous pourrez, bien sûr, le rejoindre. Par exemple, imagine, je dis que le crew, le tri est fait, et que vous voyez que vous êtes plus dedans, vous pouvez le rejoindre, hein, y a pas de problème. Mais c'est juste que moi j'essaie de faire un tri, j'essaie de satisfaire tout le monde et pro you, hein, comme vous voyez. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo c'est blonde. Vous devez placer blonde en commentaire et je pense avoir tout dit sur tout ce qui est du crew. Je tiens aussi à vous remercier en tant qu'affaire par rapport aux 200 000 abonnés. Hein, je ne l'ai pas fait, il me semble. Donc je le fais. Je vous invite encore une fois à aller voir dans la description. Il y a une vidéo qui a été faite par WizGamer, un WAG, WhatsApp Gamer, je crois que ça s'appelle. Je crois qu'on dit ça comme ça. Où il retrace mon parcours de YouTube, de mes débuts à pratiquement maintenant, où il parle de tout et de rien, comme ça, si les personnes se posent une question, pourquoi t'as commencé YouTube, t'as quoi comme maladie, etc., etc., bah, au moins, là, vous saurez tout sur tout, y a pas, ça répond pratiquement à tout. J'ai demandé aux gens qui ont mis la vidéo, attention, oh, tu passes, tropico, c'est super, c'est tout du goût. Oui, donc, j'ai demandé à la personne qui a fait la vidéo si c'était possible de la prendre, pour la mettre sur ma chaîne, bien sûr, il sera crédité, enfin voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Mais histoire de vous proposer la vidéo, je vais essayer de la voir pour la chaîne. Et puis bah voilà, hein, je pense que j'ai tout dit. Hein, dites-moi si vous voulez en commentaire une suite à cette vidéo. C'est une vidéo assez courte parce que je voulais vraiment faire petit, au lieu de faire une vidéo de une demi-heure où je vais parler de tout ça et au final vous allez vite vous y perdre. Donc les points à retenir, ce sont... Le premièrement, les lives, parce que je vais en faire pas mal. Du coup, bah, vu que souvent, j'ai remarqué sur les réseaux, la nuit, bah, vous êtes souvent connectés, genre à minuit, 1h, 2h du matin. Faire un petit live, même sur un jeu merdique, même pourquoi pas sur le jeu Karaoke Party. Hein, pour ceux qui regardent les vidéos de Squeezie, bah, il en a fait pas mal. Moi, avant, je jouais beaucoup à ce jeu-là, avec Dark Funeral. Et bah, pourquoi pas chanter ensemble et tout, pourquoi pas faire des petits trucs comme ça. Pour l'instant, il n'y aura pas de rediffusion sur les lives parce que ma connexion ne me permet pas de faire de la HD en live. Ce sera seulement du 480p. Du coup, bah, si je fais une rediff sur YouTube, ce sera assez dégueulasse. Déjà que les gens se plaignent des fois que la qualité n'est pas bonne alors que c'est de la HD. Là, ce sera encore pire. Voilà. Le deuxième point, c'est le crew. Hein. Je vais bannir un petit peu tous ces gros vilains qui dès qu'ils vont dans une session, bah, tuent les autres abonnés pour le plaisir. Tous ceux qui insultent aussi, vous inquiétez pas, j'ai des petits espions qui me disent tout, hein. Des personnes en qui j'ai super confiance, donc c'est pas un problème. Et puis voilà, et la dernière chose bien entendu, c'est la vidéo pour les 200 000, hein. Je vais essayer de voir si je peux la voir, parce qu'elle était vraiment tellement bien faite que, bah, que ça vaut le coup, hein. Et que moi, voilà, vu que j'ai pas forcément d'idée, je sais pas ce qui se passe, parce qu'il y a le bruit d'une sirène là, regarde derrière toi. Ok. Ouais. Essaye de trouver un moyen quelque part pour le garer. Oula, mais qu'est-ce qu'il a le bus là? Les Narvalo. Imagine une course poursuite. Police versus car. Ouais, c'est des Narvalo. Bon, il va devoir se garer. N'hésitez pas à noter ma... comment il s'est garé, hein.
combien de temps il a pris pour le faire, etc. etc. Là, par contre, ça, tu perds des mauvais points directs. Pour moi, c'est éliminatoire. Hein. Mais on verra. Donc, ok, il prend deux places, il est comme ça, ouais. Mais c'est normal. Donc, tu peux sortir du tour de ton véhicule, s'il te plaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment une petite vidéo. Donc, et pour ceux qui veulent savoir ce qui se passera durant cette semaine en vidéo GTA, demain, il y aura une sorte d'affrontement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez des combats de l'extrême. Bah là, il y en aura un. Je pense que c'est l'une des vidéos que je me suis le plus amusé à faire. Délinquant va. Franchement, c'est une vidéo où j'étais mort de rire. J'espère que ça vous plaira. Donc, demain, ce sera ça pour GTA. Mercredi, c'est la FAQ numéro 38 ou 39, je ne sais plus très bien. D'ailleurs, il faut que je sélectionne les questions, donc n'hésitez pas à aller voir que je ne les ai pas encore sélectionnées. Donc, si vous avez des questions intéressantes, posez-les. Jeudi, ce sera un affrontement que je n'ai pas encore fait, mais ce sera un truc que vous avez créé vous. Vendredi, ce sera... je vais vous montrer une personne qui a fait un hack à glisse, un truc bizarre. Et vous allez voir, c'est un truc énormissime ce qu'il a fait. Samedi, ce sera ce que veulent les abonnés, épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, où il y a pas mal de choses qui ont été proposées, qui n'ont pas été proposées avant, en espérant que ça vous plaise. Et le dimanche, vous savez tous que c'est les courses, hein, en espérant que ce soit aussi fun que la vidéo que j'ai postée hier à 1h du matin, parce que franchement, je me suis vraiment tapé des barres, et puis voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ou autre, suivant l'heure où vous regardez cette vidéo. Vous pouvez laisser un petit like, si ça vous a plu, t'as jamais fait ça? Et puis sinon, nous, on vous dit à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, salut !